Donyo jok ci santo maulana bay ñass momi yal iblis ay dag dag ak ki ñass tay lañu gëm ne man dal ga xare ba dal day topé. Salam guys, salam alaikum. Bienvenue dans le Music and More, nouveau concept de concert. Ça se passe au Goethe Institut. Aujourd'hui à l'honneur, Simon, nous, on va dire. Parce que Simon, c'est deux parties. La partie soft et aussi la partie et la salle du Goethe Institut. Donc en ce moment, donc, il est en train de tourner sa première partie. C'est du bien parce que c'est du traditionnel et ça commence à chauffer dans la salle du Goethe Institut. Comme on l'avait dit, c'est une nouvelle formule. On est en train de travailler dessus, Gradi Simon, avec Mamin Edouard Lakora, Boudoulengenta Chumoko. Edouard alias. Simon alias Nyogo. Je vous présente le grand frère derrière Ibu Kalbas, Ibu Leket. Il y a un ami qui dit Ibu Kalbas, Ibu Leket. Maximum de bruit pour Ibu Leket. Ok. Dans le temps où il y a un man, il y a un peu de salat. Veignard et baral, pisse qu'on s'appelle. Dès qu'il roule pour Nabi, il y a un peu de chambour de que les filles m'ont dit à Bindou. Jamalai Ote. Musicalement, c'est le mot aussi. Et aujourd'hui, on avait comme invité un grand artiste de Dakar. Le grand artiste se nomme Cher Keïta. Déjà artiste plasticien, mais aussi guitariste, hein, soliste du groupe Takaïfa, le célèbre groupe de Dakar. Cher Keïta, maintenant, avec qui on va voir. Donc ses œuvres déjà, mais on va parler déjà Cher. Salam alaikum Cher. Alaikum salam. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Oui, cool. Super, no stress? No stress comme d'habitude, bon, amour stressé quoi. Je vous remercie tout d'abord et pour dire que c'est un plaisir, c'est un grand plaisir d'exposer ici. De toute façon, exposer déjà au Goethe Institut pour un artiste, c'est pas zéro quoi, c'est beaucoup. Ça compte beaucoup pour moi dans ma carrière et je suis satisfait. Je suis satisfait. L'expo est très belle. Les gens sont venus. C'est tout ce qu'on demande. Et en même temps, il y a un concert d'un grand artiste à côté. Et c'est privilégieux, quoi. Moi, je dirais que c'est un honneur et c'est un plaisir. C'est le seul événement qui regroupe d'une façon très posée, tu vois. Le public qui vient a la possibilité d'écouter de la musique tranquillement, tu vois. Et de voir aussi une expo ou autre chose. On a des musiques and more. Donc voilà, moi, c'est respect. Et vraiment, c'est un plaisir. Voilà, c'est ça mon dernier mot. C'est un plaisir encore une fois de venir ici et de partager ces moments avec vous. Merci, Cher. Donc, on voit que Cher Keïta, donc, respect au Music and More. Et là, on va voir dans la salle comment ça se passe pour la chaleur, si ça monte, si ça monte pas. Et là, c'est en train de monter tout en puissance. On va regarder dans la salle comment ça se passe. Et on vous revient vite fait. Clic. Hey, ho, hey, ho, hey, ho. Ok. Mélodie Peace, Lee, Chico, Basket, Sir Charlie. Vous t'en battez de façon hip-hop, et que tu râles. Ça nous fait scandale. Pas de joker, c'est pas de l'honneur de Goy Boy, Jara, Machining, and Itak. Moun, Koniko, on est maître. C'est le directeur du Goethe Institut, le porteur de projet, c'est lui le chef du projet Music and More. Tout a été possible grâce à lui. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, mon très très cher assistant exécutif. Merci beaucoup. Ce soir, c'est une autre forme de musique, c'est-à-dire c'est du rap, c'est Simon. Ouais, maintenant. C'est du rap, mais un peu à la sénégalaise, n'est-ce pas? Oui, avec des instruments traditionnels. Merci, voilà, c'est ça. Hein. Donc, quelquefois, que pensez-vous de ça? Je suis tombé sous le charme de cette musique-là. Elle est fort bien. Et si j'ai bien compris, on va assister à un concert à deux parties. Directeur, que le mois prochain, il y aura du lourd au Goethe Institut. Pouvez-vous nous dire quelque chose? Oui, je veux bien, mais je me demande si je devrais déjà tout dire. Ah bah vous devrez. Oui, vraiment. Ouais, normalement. J'hésite là. Mais c'est du gros, comme tu dirais. Et c'est un groupe mythique du Sénégal qui s'appelle Khalam, qui sera chez nous dans le cadre de Music and More. Et tu vas les accueillir, tout le monde va les accueillir. Da Brent, salam alaikum Bahao. Alaikum salam. Alors Bahao,
ziar na la baxaw baxaw lan lay wadjal wala groupe d'abrance lan lay wadjal di wax nek d'abrance ñi ngi wadjal album bu wara tuddu femme africa rendre hommage à toutes les femmes africaines on est sur des projets de festival aussi qui va essayer de faire revivre ce cap qui va s'appeler Weekend Capsi. Donc voilà ce projet est né. No name, Da Prince, Jumba Khao, proposer de Ghost Writer. Il y a plein d'artistes qui sont là, Joe. Il y a cette ambiance est assurée. Mr. Proposé. Bon les gars, bon, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Paul a chanté Love. Bon, tout le monde connaît la chanson. Mais est-ce que Love a une particularité pour toi, Paul? Ça se passe comment? Oui. Je me suis marié il y a 5 mois. Vous l'avez entendu, c'est marié. Félicitations, Paul. Merci beaucoup, Khalifa. Alors, dis-moi, Music and More, Purpose, on sait que Purpose est passé dans le Music and More. Et là, tu passes parce qu'il y a Simon qui était sur scène. Vous avez fait un duo ensemble de Love. Maintenant, dis-moi tes impressions. Comment ça a été? On voit que voilà, ça a été chaud, quoi, comme d'habitude. Yeah, comme d'habitude, c'est le good. C'est le good. So, je suis déjà passé et c'était magnifique. Aujourd'hui encore, c'est magnifique. Le hip-hop est là. C'est Music and More. Parce qu'il y a déjà y a des gens que je n'ai pas vus depuis des années, mais je les retrouve ici au good. Donc, vraiment, ça fait plaisir d'être là. Je passe une très, très belle soirée. Donc, je vous donne rendez-vous le 2 au Just For You. Génération sourde, cigale, décoté ou voté, dingue. Ha, 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 corps, dégouma, ha, ha, dégouma, ha, ha, dégouma, ha. Génération, petit camp, football, khalif, khalif. Manche qui place, voilà, mettez en vidéo, talif, talif. Yes, Music and More, grand artiste de Dakar, un excellent artiste, je vais dire, hein, du lourd, du super lourd, parce qu'on l'a connu depuis très longtemps, Simon, dans la petite salle du Goethe Institute dans le Music and More. Donc Simon, qu'est-ce que tu peux nous dire d'après tout ce qu'on vient de voir? Wow, déjà merci, hein, remercier le Goethe Institute avant tout. Merci de nous avoir donné au moins cette opportunité. Ça fait un moment qu'on n'est pas monté sur scène. Pardon, je me disais même il y a des textes que j'allais oublier parce que ça fait tellement longtemps qu'on les a. Au fait, on a fait la programmation ici. Quand on a vu le public commencer à arriver, on a dit vous voulez qu'on joue quoi? Certains ont dit Diar Diar, je me dis Diar Diar, Fatenaro, Ramouna, qui disent We Rolling, d'autres, tu vois. Chacun a donné ses titres. Et voilà, on a fait la sélection comme ça et c'est pour ça qu'on a vu qu'ils ont pris un peu de plaisir et que c'était nice, voilà, c'est convivial. Et ça permet au moins, voilà, de maintenir une certaine scène à Dakar et c'est important, encore une fois, respect, big up pour ce que vous faites. Maintenant, parle-nous un peu de Simon, qu'est-ce que Simon prépare? Donc, est-ce que bon, tu vas parler déjà en coulisses d'un maxi et comment ça va se passer? Ouais, là, on prépare un 7 titres vite fait qu'on veut balancer pour le mois de décembre. Donc, histoire de préparer un peu l'année 2017 aussi. Il y a beaucoup de tournées. Là, on est en train, avec la formule Cora, Balafon et Percussion Calbas, de préparer une tournée pour l'international. On va rapper des leçons, des leçons d'histoire. Donc, raison pour laquelle on essaie de monter une autre formule. Au lieu de jouer juste avec des instrus, DJ, ou de mettre un orchestre band avec clavier, batterie, basse, guitare, on va le faire avec des instruments africains. Voilà, avec de la kora, un balafon, des perculequettes et une flûte peul pour montrer aussi qu'on a notre richesse. Quoi. On peut pas faire pendant 20 ans, moi j'ai commencé en 96, j'ai 20 ans cette année de rap, on peut pas toujours faire la même chose. Donc une fois ça m'a tilté de me dire qu'est-ce que ça donnait au lieu de jouer avec un claviste, de jouer avec quelqu'un qui joue du balafon. Que ça allait donner de jouer avec la kora au lieu de prendre à chaque fois la guitare, etc. On m'a même expliqué un instrument qui vient du Burkina Faso où tu peux jouer de la basse. Donc on est en train de chercher quelqu'un comme ça pour essayer de montrer aussi que voilà, il faut évoluer. Merci. Donc merci à beaucoup à toi aussi Simon. Donc vous l'avez compris, Simon était sur la petite scène du Goethe Institute dans le Music and More. Rendez-vous est pris pour le mois prochain et ce sera aussi avec un groupe légendaire mythique de Dakar. Ce sera avec le Khalam. Peace, big up guys et à la prochaine. Ciao. B-boy, B-girl, nana. B-boy.
L'oreille Magus.